Je m'appelle Afis Bileoma et je suis le promoteur de la plateforme e-commerce odiala.com. Odiala veut dire en langue yoruba grand marché. Nous nous positionnons comme la marketplace des grands marchés africains et du savoir-faire africain. Pour cela, nous avons divisé l'Afrique en 4 points cardinaux. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons commencé par l'ouest en digitalisant le plus grand marché de l'Afrique de l'ouest, qui est le marché d'Antofa. La prochaine étape sera le souk de Marrakech, puis viendra la partie anglaise, l'Éthiopie, Kenya et puis l'Afrique du sud. Si on fait un zoom sur le marché d'Antokwa, pour ceux qui ne connaissent pas le marché d'Antokwa, c'est l'équivalent de 25 terrains de foot. 1 million d'Africains de l'Ouest qui viennent régulièrement faire leurs achats au marché d'Antokwa. Et tout ce monde, 25 000 boutiques dans le marché d'Antokwa, tout ce monde qui était en dessous de tout radar du numérique. Et on s'est dit qu'il fallait le numériser pour amener vraiment l'économie africaine vers du e-commerce. Alors on l'a fait de façon méthodique, hein, en 4 étapes. La première étape consistant donc à aller voir les différentes vendeuses, numérisant leurs articles, permettant donc au monde entier de pouvoir, via l'application Odiala qui existe sur Android et Apple, et sur le net aussi www.odiala.com, de pouvoir acheter donc au marché d'Antokwa. C'est ce qui se fait aujourd'hui localement. Plusieurs personnes font leurs courses le matin et se font livrer avant 18h pour entrer chez eux. La deuxième étape a consisté à aller voir de grands shippers qui sont La Poste du Bénin et puis DHL, de nouer des partenariats intéressants avec eux pour pouvoir distribuer tout l'Ouest africain et puis le monde entier. Et la troisième étape, qui n'est pas la moins importante, a consisté à aller faire des partenariats très très importants, par exemple avec Sicapé qui est en Côte d'Ivoire, permettant à des Africains de l'Ouest de pouvoir acheter avec n'importe quel moyen de paiement, que ce soit une carte bleue, que ce soit avec du Mobile Money, Orange Money, MTN Money, Flouze ou bien Tigo, de pouvoir faire leurs achats. Donc à partir de ce moment-là, on a vraiment ciblé tous les besoins. De partout en Afrique, on peut acheter au marché d'Antokwa et se faire livrer dans l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, le dernier point qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir faire un e-commerce à l'africaine. Je l'explique de façon simple. On veut créer ce qu'on appelle un digital corner. Notre but, c'est de vraiment disrupter la manière de pouvoir acheter dans le marché d'Antokwa. On a récemment rencontré le directeur général qui gère le marché d'Antokwa, qui bientôt va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un digital corner, c'est-à-dire donc un espace où on va avoir un ensemble de bornes où les utilisateurs pourront venir au lieu de se balader donc dans 25 hectares en regardant 25 000 boutiques à un seul endroit. À partir de bornes, on pourra sélectionner ce que l'on veut, bijoux, pagnes, etc. On affichera donc toutes les boutiques partenaires qui vendent ces articles. La boutique partenaire récupérera automatiquement un ordre d'achat depuis là où elle est et ramènera donc au digital corner l'objet qui a été acheté. Cela nous permet de résoudre un grand problème qui nous est souvent reproché. C'est qu'en Afrique, on aime bien discuter le prix et on aime bien aussi toucher la marchandise. Donc les personnes pourront venir au digital corner, faire leur achat sur la borne et pouvoir
avoir plutôt la vendeuse qui se déplace vers eux. Donc ça, c'est le premier point pour le Digital Corner. On va aussi développer un drive pour les personnes qui sont pressées à partir de l'application. Lorsque ces personnes auront fait leur achat, donc à partir de l'application mobile ou sur www.odiala.com, elles auront sélectionné donc un ensemble d'articles sur la plateforme et elles prendront rendez-vous au drive. Donc de leur voiture, elles passeront par un coin spécifique où une personne leur tendra leur panier directement. Elles n'auront pas à attendre et sans sortir de leur voiture, elles pourront récupérer directement leur achat. Une autre chose qui est assez importante, c'est qu'on ne fait pas un projet aussi ambitieux que celui-là, vous comprenez bien, c'est vraiment de permettre à des amoureux de l'Afrique ou à des personnes de l'Afrique de pouvoir acheter sans venir en Afrique. On a vraiment un plan qui, sur 3 ans, devrait nous permettre de pouvoir disrupter et revoir la manière de pouvoir acheter en Afrique et de pouvoir exporter le savoir-faire africain.